Le duc de Sussex n'a pas fait le voyage à une fête au palais de Kensington pour honorer la vie de sa mère, un expert royal affirmant que cela risque de creuser un nouveau fossé entre lui et le duc de Cambridge. La décision du duc de Sussex de ne pas assister à une fête commémorative pour sa mère Diana, princesse de Galles, risque de creuser un nouveau fossé entre lui et son frère, a déclaré un expert royal. Le prince Harry ne sera pas parmi ceux qui assisteront à une fête mardi soir au palais de Kensington pour honorer ce qui aurait été la 60e année de sa mère. L'événement a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19 en cours et visait à remercier les donateurs d'avoir aidé à financer la statue commémorative de Diana dans l'enceinte du palais. Harry a fait le voyage pour le dévoilement de la statue en juillet seul, choisissant de laisser derrière lui sa femme Meghan et ses enfants Archie et Lilibet dans leur maison en Californie. Je pense que c'est très triste que Harry ne soit pas parti et je pense qu'il aurait été cruellement manqué, a déclaré l'expert royal Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry. The Inside Story à Hockey. Évidemment, il vit maintenant très loin et nous avons toujours des restrictions de voyage, mais il lui est tout à fait possible de rentrer au Royaume-Uni, comme il l'a montré en juillet pour le dévoilement de la statue. Les deux fils de Diana devraient être là. Malheureusement, ce n'est qu'une confirmation supplémentaire, pas qu'il en faut un autre, que les choses ne vont pas bien entre les frères. Si l'héritage de leur mère ne peut pas les rassembler, alors vous vous demandez ce que diable peut faire. Duncan pense que William fera la chose décente. Et se référera à Harry lorsqu'il remerciera les donateurs de la fête, ce sera intéressant de voir si William fait référence à Harry et je m'attendrai à ce qu'il l'ait fait, poursuit-il. Il aura remercié les gens d'être là pour lui et son frère. Nous devrons attendre de savoir ce que William a dit, avant de pouvoir tirer des conclusions quant à savoir si le fossé s'est approfondi.